Thank you.
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. De l'Évangile. Alors tous ensemble,
Réjouissons-nous, sans que vous serez obligés de partir pour aller célébrer Noël dans votre musée. Mais c'est déjà une manière de pouvoir de penser à vous, que nous puissions penser les uns aux autres pendant la solennité de la fête de Noël. Déjà, à nous tous, bonne fête et bonne fête. Please rise. Let us call to mind our sins and ask for God's forgiveness. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu tout-puissant.
Prions. Père infiniment bon, écoute ma prière, ouvre mon cœur à la lumière de l'Esprit Saint, que je sois vraiment ce que tu attends d'un frère, un homme qui célèbre les mystères avec toi, qui se dépense au service de ton peuple et qui t'aime de tout son amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Thank you.
L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme un jeune marié orné du diadème, la jeune mariée prépare ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Chasseur des pauvres, et de la vie, à nous aider pour
chapter 2, verses 16 and verses 19 to 21. We acknowledge that what makes a man righteous is not obedience to the law, but faith in Christ Jesus. We have to become believers in Christ Jesus, no less than you had. And now we hold that faith in Christ, rather than fidelity to the law, is what justifies us. And that no one can be justified by keeping the law. In other words, through the law, I am dead to the law, so that I can live for God. I have been crucified with Christ, and I live now not in my own life, but with the life of Christ who lives in me. The life I live now, in this body, I live in faith, faith in the Son of God, who loved me and sacrificed himself for my sake. I cannot bring myself to give up God's gift. If the law can justify us, there is no point in the death of Christ. The word of the Lord. What is written
the Lord, what do you read there? He replied, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. You have answered right, said Jesus, do this, and life is yours. But the man was anxious to justify himself and said to Jesus, and who is my neighbor? Jesus replied, a man was once on his way down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of brigands. They took all he had, beat him, and then made off, leaving him half dead. Now priests happened to be traveling down the same road, but saw the man, he passed by on the other side. In the same way, the Levite, who came to the place, saw him and passed by on the other side. But the Samaritan traveler, who came upon him, was moved with compassion when he saw him. He went up, bandaged his wounds, pouring oil and wine on them. He then lifted up him on his mount, carried him to the inn, and looked after him. Next day, he took out 2 denarii and handed them to the innkeeper. Look after him, he said, and on my way back, I will make good any extra expense you have. Which of these 3 do you think proved himself a neighbor to the man who fell into the brigand's hands? The one who took pity on him, he replied. Jesus said to him, go and do the same yourself. Answer Douala. Voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, y a-t-il écrit et comment lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, le couvaient de boue, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je le passerai. Lequel de toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va et toi aussi,
fait de même. Acclamons la parole de Dieu. Thanksgiving Mass here in the St. Peter and Paul Cathedral.
here in Douala. The cathedral in my diocese is also named after St. Peter and St. Paul. I pray that these two patron saints intervene for us and may God fill this church, this cathedral, with the aroma of His presence for you, for Chandrick, and for Yvette Felicia, who are receiving the sacrament of matrimony here today. This morning, I come to you in my humble capacity as the Cameroonian-born bishop, appointed and consecrated in the United States of America. Almost all of you already know something happened to me on March 2nd, 2021, when Pope Francis appointed me the very first African-born bishop from Cameroon in the United States of America as the sixth bishop. Et la main
tendu du bon samaritain, doivent tapisser les cœurs des habitants d'ici. Chers frères et sœurs, dans mon enfance, j'ai vécu l'itinérance comme la plupart de vos frères et sœurs qui, fuyant la guerre, sont actuellement réfugiés ici à Douala ou dans votre pays du Cameroun. En 1958-59, il y avait aussi une guerre civile à l'ouest du Cameroun. J'avais vécu cette guerre quand je n'avais que 5 ou 6 ans. Notre maison familiale était brûlée, incendiée. Ce jour-là, ma maman m'a pris sur son dos et nous sommes réfugiés dans la brousse. Oui, nous avons passé la nuit dans les buissons avec des coups de feu et ici et là. J'ai subi un traumatisme chronique pendant cette période de mon enfance. Nous étions contraints à dormir sous le pied d'un arbre à la merci des moustiques et surtout de la rosée qui suintait toute la nuit des feuilles d'arbre. Nous n'avions plus de couverture. Au lendemain de cette nuit, passé dans la course, nous nous sommes levés pour continuer notre longue marche vers la ville de Chan où nous avions trouvé une maison d'accueil. C'était là le début d'une vie de nomade qui nous a conduit tour à tour à Chan, à Tralé, Macon, Consamba, à Nimbolé, Lemlem et d'autres. Immigrés dans notre propre pays, ma maman et moi allions et vivions partout, sauf dans notre village. Village natal. Chers frères et sœurs, je comprends un peu la situation dans laquelle vivent les réfugiés parce que j'ai vécu dans la même situation. Je sais ce que signifie être pauvre. J'en ai souffert. Je sais ce que signifie passer des jours sans nourriture parce que j'ai connu la faim quand ce n'était pas ma mère qui faisait la cuisine. Toutefois, je n'oublierai jamais ceux et celles qui nous ont ouvert leur porte et partagé leur pain avec nous. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes ont été dispersées dans diverses régions du Cameroun. Cela fait maintenant 5 ans que cette terrible guerre a fait de toutes ces personnes des réfugiés. Cependant, beaucoup d'entre vous ici à Douala, comme dans d'autres localités du Cameroun, vous aviez, comme le bon samaritain, compris leur situation et vous leur aviez réservé mon accueil et offert des possibilités d'emploi. Merci à vous. Vous vous êtes occupé d'eux et de leurs enfants, comme autrefois ce fut mon cas. La parabole du bon samaritain convient à des saints. La parabole du bon samaritain raconte l'histoire d'un homme voyageant de Jérusalem à Jéricho. Et alors qu'il est en chemin, il est privé de tout ce qu'il avait, y compris ses vêtements, et est battu à moins d'un pouce de sa vie. Nous ne savons pas si l'homme blessé était un juif ou un païen, mais cela ne faisait aucune différence pour le samaritain. Il ne tenait pas compte de la race ou de la religion de l'homme. Le bon samaritain ne voyait qu'une personne qui avait cruellement besoin d'aide et il l'assistait. Au-delà du monde requis, il habille les blessures de l'homme avec du pain pour désinfecter et de l'huile pour apaiser la douleur. Il met l'homme sur son animal et l'emmène dans une auberge pour un temps de guérison et paie l'aubergiste avec son propre argent. Il va alors au-delà de la naissance commune et dit à l'aubergiste, je viens prendre le soin de l'homme. Et il prévoit toutes les dépenses supplémentaires lors de son voyage retour.
Le Samaritain voyait son prochain comme quelqu'un qui était dans le besoin. Le message de Jésus, oh, nous sommes de la loi, tout comme à nous tous, ceux qui l'entourent, et par là à tous, est une invitation à suivre l'exemple du Samaritain. Dans notre propre conduite. C'est-à-dire que nous devons faire preuve de compassion et d'amour pour ceux que nous rencontrons dans nos activités quotidiennes, en particulier dans ce moment terrible dans notre pays avec la crise anglophone. Nous devons aimer les uns les autres, quelle que soit leur race ou leur religion, quelle que soit leur tribu. Dans le récit du Mont Samaritain, frères et sœurs, l'homme blessé représente tous les hommes dans leur condition de pécheurs déçus. Dear friends in Christ, my dear Cameroonian people, as a bishop, I come to you as the representative of the Prince of Peace, Jesus Christ. I come to you as an ambassador. Master of Peace, as a Christmas gift, during this terrible moment of war in this beautiful Cameroon, where our brothers and sisters in the English-speaking section of our country live now. As a Prince of Peace, I come with a message. Let the war and the killing stop. It is really disheartening to see the casualties of a war that does not honor our beloved country. To those who are funding this war, we say stop. Let us pray for those who are negotiating, laboring to bring about peace. 1 week prior to coming to Cameroon, a group of Catholics comprised of Cameroonians and Africans requested to meet in Washington, D.C. The meeting lasted for 2 hours. We talked at length about peace and we prayed together. It is an affiliation of Foyer Lumière, the founder of Christ Association. As I said, it is comprised of Cameroonians and some other Africans. They pray regularly. I'm told that this group was created in Simanen, Cameroon. They asked me, group asked me, to convey to my brother Bishop Cameroon to come together and pray for peace in Cameroon. Yes, les membres de Foyer Lumière invitent non seulement les évêques, mais nous tous à travailler dans la solidarité pour mettre fin à cette guerre. Les Camerounais en sont capables. Ne font-ils pas preuve de solidarité quand il s'agit de supporter les lions indomptables? Church, are you there? Je dis bien que les Camerounais en sont capables de travailler pour la paix. Ne font-ils pas preuve de solidarité quand il s'agit de supporter les lions indomptables? Quand les Camerounais regardent la prestation des lions indomptables dans un stade de football, ils se sentent fortement unis à ceux qui jouent et se diluent entièrement aux joueurs, devenant par là même le symbole idéal de ce qu'une nation doit être. Ils sont fiers. En cela, tous deviennent originaires du Nord avec Vincent Aboubaka, du centre avec André Frank Zambo, du sud-ouest avec Jay Clinton, du nord-ouest avec Faye Collins, et pourquoi pas de l'ouest avec Thierry Maxime Choubo Moté. Tout le Cameroun se mue dans la prestation honorable de chacun qui donne un sens à son pays.
et toute la nation s'assume dans les prouesses des uns et des autres. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là la même chose qui est en train de se produire en ma personne depuis le jour où le pape François m'a demandé de servir comme premier évêque africain d'origine camerounaise aux États-Unis?
going to move. I will come back. I'm going there for the marriage. I am delighted to celebrate the sacrament of matrimony of Sandy, Jean-Luc et Yvette. Et bien ça c'est pour les verres, tu veux déranger. Ça ne dérange pas. Laisse-moi je passe. Vous allez vous engager l'un vers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. C'est parce que vous allez vous promettre de fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui. Je suis en live à États-Unis et je veux passer. Dans le foyer que vous allez fonder. Acceptez-vous la responsabilité des vous et des parents? Oui, merci. Devant tous ceux qui sont ici et en présence de Dieu, échangez vos consentements. Elisa, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux, et toi, Xavier, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aider fidèlement tout au long de notre vie. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et donne à Yvette et à Jean-Luc qui les porteront à leur droit de se garder toujours une parfaite fidélité. Yvette Félicia, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Vivez dans la joie en vous aimant comme vous l'avez promis. Nous te demandons par le Christ notre Seigneur. That in this secret time of Advent,
Yeah.
Dans le prix et chaque année de mystère et de poète, pour qu'il nous
assemblée de ton peuple afin que tu te présentes partout dans le monde une offrande de Dieu. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré.
Souviens-toi de nos célèbres époux, Yvette et Jean-Luc. Tu les as conduits jusqu'à ce jour de leur noce. Et sauf leur désir d'avoir des enfants. Et que ta grâce leur apporte de vivre ensemble longtemps dans le bonheur et la paix. Pour nos frères et femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont vous aurez la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous décidons d'être formés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Thank you.
participe à la prière de l'Église et témoigne de toi parmi les hommes. Afin, enfin, après avoir vécu longtemps pour eux, qu'ils parviennent au royaume du ciel par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la fermeté parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et amen. I'm one of the shoes.
Thank you.
Prions. Seigneur, tu m'as donné tes forces dans ce pain et de ta joie par cette coupe de l'Alliance éternelle. Mais accorde-moi assez de foi pour te servir, assez de courage et d'amour pour me jouer au salut de mes frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Qui a pris l'initiative d'inviter Mgr Jerome
Dieu est venu nous voir avec les lignes.
le monde avec tous. Quel bonheur pour vous. Aidez-le que mon Seigneur vienne juste à nous. Qui sommes-nous mal faits? Que le Seigneur se penche vers nous de la sorte. Amen. Mon Seigneur, je vous aide à l'officier. Le Père, nous devons bénir Dieu chaque jour. Mon Seigneur est un pont entre l'Afrique et l'Amérique. Comme ma bien-aimée disait, à chaque élevé. Il est la main que le peuple donne pour cheminer ensemble. Signe de fraternité des peuples au sein de l'Église. Par-dessus tout, il est successeur des apôtres. Trait d'union entre Dieu et nous. Pasteur du peuple de Dieu qui s'est choisi. Mais que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais, tout le monde. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Au terme de cette messe exceptionnelle au cours de laquelle mon Seigneur a déversé à perfection la grâce sur nous, je voudrais le recommander à notre prière. Il a besoin de notre soutien spirituel pour réussir sa mission. Nous allons continuer à prier pour lui, les frères, pour ses collaborateurs, son diocèse, pour ses chrétiens des États-Unis. Grâce à lui, nous développons plus qu'à jamais la solidarité spirituelle des peuples africains et américains, comme un bon moment de l'histoire. Avant de remettre votre cadeau, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont œuvré aussi seuls de cette fête. Pour commencer par notre Père Achevé Monseigneur Douala, le curé de la cathédrale, et tous les frères du diocèse, toutes les personnes qui ont travaillé discrètement sans dénagement. Tous ceux qui ont apporté une aide matérielle, spirituelle, financière ou financière, sans oublier la chorale et tous les acteurs de la liturgie de ce jour. Nous sommes tous ensemble remercier. Le Seigneur fut pour nous des merveilles. Maintenant, nous invitons Mgr Jerome à s'avancer pour recevoir ce prestigieux cadeau. Et après cela, c'est tout le monde qui va se lever sans protocole pour apporter son cadeau personnel à Mgr Jerome. Et n'oublions pas, ces cadeaux serviront à la construction de sa jeune église de Fonakeke à Tcham. Donc, venons en conséquence avec les fers, les sables ciment et puis le sable aussi pour qu'ils construisent avant de partir. Thank you.
préféré. Ouais, c'est marrant.
était sincère à la mienne de passer deux fois, trois fois, quatre fois, une personne, une même personne. Fais le devoir de check on you.
to see how God will be. Et finalement, je demande que le bon Dieu communique mes sentiments de gratitude à son excellence qui est ici, son Monsieur Samuel Créda, et son excellence Antoine Talo. Je ne peux pas penser à un autre cadeau de Noël mieux que ce que vous me présentez par votre présence ici. Vous étiez avec moi depuis quelques jours et vous êtes venu participer à cette messe. Que le bon Dieu vous communique ma joie de vous avoir ici avec moi et que notre solidarité soit solide. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
soit dedans. Look at him, I was looking for you soon. When you see her, it's around 6 minutes.